Donc pour le matériel, vous aurez besoin d'une règle, un cutter, donc moi j'ai pris la marque Olfa, des stylos comme ça, des feutres pilotes comme ça. Vous aurez besoin de fils élastiques, scotch double face, des aiguilles, et vous aurez besoin de deux cartes, soit valet, dame, roi, d'accord, différents, pour faire une autre flap. Plus vous aurez besoin, et vous aurez besoin de deux cartes quelconques, peu importe, n'importe quelle carte. Donc c'est parti pour le tuto. Première étape, vous prenez deux cartes. Donc vous prenez deux cartes, je vous conseille des valets, des dames ou des rois, d'accord. Et on va peler ces deux cartes. Donc on va enlever juste le dos de la carte, il y a trois couches. Il y a cette face, et entre les deux, vous avez une petite plaque un peu plus rigide. On va enlever juste le dos de la carte. Vous faites ça pour les deux cartes. Le papier où il y a juste une couche sur le tapis, comme ça, sur la table, et vous tirez. Vous mettez bien votre index. Vous tenez bien chaque fois que vous tirez, vous mettez vos doigts à chaque fois. Hop, voilà, ça, on n'en a plus besoin. Et on garde cette partie-là. Ok, on fait pareil pour l'autre. Pareil, vous mettez le volet le plus fin sur le tapis, sur la table, et vous tirez, vous mettez bien vos doigts par-dessus. Voilà, ça, on déchire, et on a nos deux cartes comme ceci. Vous allez prendre vos deux cartes, vous voyez, elles sont gondolées un peu, elles sont pas droites. Donc vous allez aller sur le bord d'une table et vous allez les bomber et frotter. Voilà, vous faites ça. Et vous faites ça pour la deuxième carte aussi. Voilà, vous faites ça pour les deux cartes. Maintenant, nous allons devoir couper le milieu de la carte, de chaque carte. Mais on va découper juste une épaisseur, d'accord? On ne va pas couper la carte entièrement, mais légèrement pour pouvoir la plier comme ceci. Donc il faut que ça soit, vous coupiez vraiment au milieu. Vraiment au milieu. Et donc pour être sûr qu'on coupe au milieu, moi j'ai créé ce guide, ce guidage. C'est un petit appareil qui me permet de guider ma coupe exactement au centre de la carte. Donc vous prenez une carte, alors il faut bien que vous la coupiez en deux à la moitié vraiment. Et vous la collez sur une lame de cutter, comme ça. Et vous mettez des cartes aux extrémités pour ne pas vous blesser. Ce qui fait que là j'ai mis du double scotch ici. Et si je colle le guidage comme ça, le petit guide, sur ma carte, comme ceci, j'ai exactement la moitié. Bon, je regarde que ça soit bien aligné. Et j'ai exactement la moitié de la carte, ce qui fait que quand je vais couper légèrement, je vais avoir vraiment. Je vais couper au centre. Et donc vous coupez légèrement, tout doucement. Vous attendez de voir que la carte se plie. Attention, ne coupez pas, n'appuyez pas fort. Là, il faut encore. Voilà, c'est bien. Voilà, vous ne coupez pas plus. Dès que vous voyez que ça se plie comme ça, c'est bon. Voilà, et vous regardez bien que là, ça soit bien aligné. Vraiment, d'accord. Il faut que rien ne dépasse. Donc là, je suis bien. Ok. Et donc, il ne faut pas couper trop fort. Si vous coupez trop fort, ça risque, votre carte risque de se couper ici, ou ici aux extrémités. Donc faites ça, faites très attention à ça. Donc là, c'est bon. Vous pouvez donner un petit coup d'ongle, comme ça. Comme ceci. Voilà. Et on fait pareil pour l'autre. Voilà, là vous pouvez enlever, regardez, que ça soit bien aligné, donc là c'est parfait. Et vous donnez un petit coup d'ongle, hop,
Seconde étape, nous allons ensuite coller le valet ou la dame, ça à vous de voir, le valet ou la dame, sur la moitié comme ça. Donc on va prendre le valet, on va mettre de la colle ici, on va prendre la dame, on va mettre de la colle ici, et on va coller ces deux parties-là, uniquement. Les deux parties, le gauche et la droite, d'accord? Donc vous prenez la colle que vous voulez, moi je prends cette colle-là qui est très bien. Alors elle est bleue, pourquoi? Parce qu'on voit où on en est, ça c'est bien, et ça sèche normal. Donc si je veux mettre ça sur ça, ça sera cette face-là. Et vous alignez parfaitement les deux faces. Et vous réglez, il faut vraiment que ça soit très bien aligné. Donc vous checkez vite fait, là c'est bon, je l'ai bien aligné, et vous appuyez. Vous pliez, vous appuyez. Ensuite, vous prenez une carte quelconque, peu importe, et on va couper juste en dessous de la ligne blanche ici, jusqu'au trait bleu ici, tout le long de la carte. Donc je coupe et je vous montre après en gros plan ce que ça donne. Vous faites ça. Enlever ça, et on a créé le petit espace comme ça donne ça, ok. Ensuite nous allons prendre la carte qu'on vient de découper ici et on va prendre notre guide et on va découper la moitié ici tout doucement comme les deux autres cartes du début. Voilà, vous pouvez arrêter là, vous pliez. Et vous appuyez bien. Et on va coller cette partie-là sur celle-ci tout simplement. Hop. Et vous rabattez, vous pliez. Les deux ensemble. Ensuite, vous prenez la partie qu'on vient de coller. D'accord? Votre flap, vous ouvrez. Et on va venir coller, donc vous avez l'ouverture ici, là, de long. Et on va coller cette partie-là dessus, comme ça. Et donc vous alignez au mieux. Regardez que ça ne dépasse pas. Et vous appuyez. Okay, vous rabattez comme ceci, là. Voilà. Vous prenez une aiguille, donc dans l'angle, ici, et où il y a la boucle ici. Ok, vous mettez ici, et vous mettez à l'angle ici. Maintenant, vous prenez votre fil élastique et vous mettez un fil sur votre épingle et on va passer dans les trous. Donc, vous commencez comme ça. Ici. Ici.
ici et vous faites 2-3 nœuds. Pas besoin de tendre énormément. Vous faites 3 nœuds, voilà. Hop, et vous coupez l'excédent. Voilà, donc on a un fil ici. Ça va nous servir à bloquer le mécanisme du flap. D'accord? On va pouvoir le déclencher avec notre pouce. Ensuite, vous pouvez faire ça, boucher les trous. Ensuite, vous prenez du scotch double face et on va vous prenez votre flap et on va en mettre sur toute la face bleue ici, d'accord? Tout le long. Vous en mettez au bord, hein, vraiment toute la carte. Voilà. Si ça dépasse, vous coupez l'excédent. Donc ensuite, vous allez prendre la carte qu'on vient de faire avec le fil ici, et vous allez placer cette carte-là par-dessus le flap. D'accord? Donc on va coller la moitié de cette carte sur celle-ci. Donc vous allez voir que votre fil va aller dans la petite rainure. En fin de compte, vous allez prendre un petit cutter comme ça, l'autre bout, et vous appuyez. C'est juste pour que le fil rentre bien dedans. Hop. Et on va insérer donc la carte avec le fil ici, là, dans la rainure comme ça. Vous alignez bien la carte. Là, c'est bon. Et vous appuyez. Comme ceci. Ok. Voilà. Regardez bien que tout soit bien aligné. Donc, on est comme ceci. Vous avez une partie comme ça. La dame de pique et le valet de carreau. On va coudre. On va mettre du fil. Là et là, vous collez pas, vous ne collez pas. On va mettre du fil, un petit espace de 5 cm ici. Donc on va faire deux trous. Alors on vient de faire deux trous. Ici. Et un ici. Donc vous avez votre fil ici. Vous prenez un simple fil et vous allez le mettre dans les deux trous qu'on vient de faire. Et vous faites 2-3 nœuds et vous serrez pas énormément, vous mettez pas trop de tension. Voilà, vous faites 3 nœuds, ça suffit, et vous coupez l'excédent. Hop là. Donc nous arrivons à la dernière étape, nous avons bientôt fini. Vous prenez un fil avec une aiguille et vous doublez votre fil. Je vous conseille de doubler votre fil parce que là, on va s'en servir pour le flap. Et vous allez faire, donc vous êtes comme ça, on est comme ça, ok. Et vous allez mettre un trou ici, faire un trou ici dans l'angle et un trou dans l'angle ici, d'accord? Voilà, hop et hop. Et vous passez. Là, vous allez devoir tendre votre fil à 80% de sa tension maximum. Et vous allez faire 3-4 nœuds. D'accord, on est là. Vous avez votre fil double. Et là, vous tirez pas mal. Vous tirez assez fort et vous êtes prêt à faire vos 2-3 nœuds. Donc je vous conseille d'en faire 3. Voilà. Hop. Et vous coupez l'excédent. Et nous avons fini notre gimmick pratiquement.
Donc là, j'ai le nœud, je le mets derrière. Voilà, nous avons fini notre gimmick. Donc le fil passe ici, donc il est invisible, il ne se voit pas. Donc on a fini, ça y est. Donc maintenant, pour tester votre gimmick, vous allez l'ouvrir, mais vous allez l'ouvrir vraiment par à-coups, très doucement, d'accord? Donc vous l'ouvrez tout doucement. Donc là, je ne l'ai pas trop serré mon fil, j'aurais dû le serrer encore un peu plus, mais bon, ça va aller. Vous l'ouvrez tout doucement, voilà, ici. Et vous testez, et ça marche nickel. Hop, voilà. Donc là, je ne l'ai pas super bien tendu, donc si vous tendez plus, le flap va se refermer beaucoup plus vite. D'accord? Mais là, ça va. Donc voilà. Et n'oubliez pas qu'on a fait un mécanisme derrière pour bloquer l'ouverture ou la fermeture du flap. Donc, si vous ouvrez, ici, vous avez un petit bout de fil que vous prenez et que vous mettez juste sur la carte, comme ceci, qui est ici. Ce qui fait que la carte est loquée maintenant. Vous pouvez la laisser sur le tapis, sur la table, elle ne se déclenchera pas. Vous prenez la carte et avec votre pouce, vous allez faire ce mouvement-là, ce qui fait que vous allez enlever le fil sur l'angle et la carte va se refermer toute seule, comme ceci. Vous voyez? Donc ça, c'est très fort. C'est un plus, je trouve, de pouvoir bloquer le mécanisme du flap. Vous pouvez montrer comme ça, lâcher comme ceci, il n'y a pas de souci. Vous prenez le pouce et ça change. D'accord? Donc voilà, on a fini notre flap. Une dernière chose. Si vous voulez que votre flap soit parfait, je vous conseille de prendre ces stylos. Cela. Et ça va vous permettre, parce que comme on a fait une petite pliure, vous voyez, on voit du blanc. On voit du blanc le long, là, comme ça. Vous voyez la ligne blanche, là, au milieu? Et on va la colorier et elle se verra beaucoup moins. Pareil, là, vous voyez, vous avez la ligne blanche ici. Et donc, on va colorier tout ça. Et donc, vous coloriez les couleurs qui correspondent et vous allez voir, à la fin, ça va être parfait. Voilà. Donc si vous regardez maintenant, on voit moins la ligne au milieu, vous voyez, c'est presque parfait. C'est parfait même. Et donc vous faites ça pour la dame aussi. Et vous voyez la dame maintenant. Voilà. C'est presque parfait. On voit moins la ligne blanche. Vous voyez maintenant, c'est presque invisible. Donc je vous conseille de faire ça pour que votre flap soit vraiment le plus parfait possible. Je vous conseille de, si vous voulez qu'il soit vraiment plat, votre flap, ce que je vous conseille, c'est de mettre votre flap entre des cartes comme ça. Vous le glissez à l'intérieur et vous le laissez pendant 2-3 jours à l'intérieur pour que le flap soit bien droit. D'accord? Parce que là, quand on le fait, il n'est pas vraiment bien droit. Donc ça permettra, vous le mettez sous un livre très lourd pendant 2-3 jours, d'accord? Pour déclencher votre flap, bah, c'est simple, vous l'avez sur le dessus du jeu, et avec votre pouce, si vous voulez le bloquer ou pas, vous le déclenchez, d'accord? Vous avez vu, c'est très rapide, il n'y a pas de bruit, c'est silencieux. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire tenir avec le fil, d'accord? C'est vous qui voyez. Donc voilà, après... Maintenant que vous savez faire ça, vous pouvez le faire avec un dos bleu qui se transforme en valet, un dos rouge qui se transforme en dos bleu. Vous pouvez faire ce que vous voulez, même mettre un faux étui de carte. Si vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez très bien faire un flap avec un dos bleu. D'accord? Donc ça sera pareil. Hop. Vous êtes là, vous montrez des dos bleus. Et vous. Faites remonter la carte, d'accord? Donc ça c'est pas mal aussi. Vous pouvez faire plein d'idées, d'accord? Et vous avez l'étui ici que j'aime beaucoup. Comme ceci, vous pouvez faire un faux étui flap bicycle, d'accord? Donc l'avantage, c'est que vous prenez un jeu. Donc qui ressemble, voyez? Pareil, vous mettez du double scotch ici,
en dessous et vous collez. Vous collez le flap ici. D'accord? Et donc, vous faites choisir une carte. Vous mettez la carte dans le jeu. Vous fermez le jeu avec le collant ici. Et vous prenez votre jeu et on va dire, on va essayer de retrouver votre carte. Et là, la carte apparaît. Et vous pouvez montrer l'étui, la carte avec le double. D'accord, il n'y a plus rien à voir, quoi. Donc ça, c'est une très bonne idée aussi que vous pouvez faire. Ok. Et la carte sort du paquet. Voilà, vous pouvez faire ça aussi. Vous prenez un étui, vous faites exactement pareil. Donc voilà pour ce tuto. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Merci à vous. Bye bye.